On l'a dit très discrète, Charlène de Monaco est apparue cette fois très complice avec l'une des membres de sa belle-famille. Au cours d'un match caritatif, Stéphanie de Monaco et elle ont partagé un beau câlin, non loin d'Albert, certainement touché par la tendresse entre ces deux femmes qui comptent tant dans sa vie. La suite après la publicité, les familles royales qui sont divisées voire gangrénées par des tensions entre ses membres pourraient nous faire oublier qu'il y en a qui s'affichent soudées, et en plus pour de nobles causes. Cillone connaît deux belles-sœurs royales dont les relations ne sont pas au beau fixe, Kate Middleton et Meghan Markle si besoin est de les citer. D'autres affichent une complicité qui fait plaisir à voir, Charlène et Stéphanie de Monaco. Au cours d'un match caritatif organisé par l'association Fight Aid Monaco, deux équipes se sont affrontées, les Barbajuans, l'équipe menée par Louis Ducruet, fils aîné de Stéphanie de Monaco qui adore le football, et celle du Cirque FC, qui est présidée par sa maman. Un affrontement sous le signe de la bonne humeur qui s'est terminé par un score de 3-2 pour le Cirque et qui a été marqué par une belle embrassade entre l'épouse d'Albert de Monaco, Charlène, et elle interprète de comme un ouragan. Une scène d'effusion de tendresse rare pour la princesse et ancienne nageuse olympique dont on connaît la discrétion en public. Une famille princière soudée qui multiplie les événements. Cet événement convivial dont Monaco Matin partage les photos témoigne des bonnes relations entre les membres de la principauté. Charlène de Monaco semble avoir trouvé sa place entre les sœurs de son célèbre mari, qui a toujours été proche de sa fratrie. Chaque membre apparaît régulièrement lors des nombreux événements du Rocher, tout récemment pour ceux du Festival International du Cirque de Monte-Carlo. On a pu remarquer la princesse Stéphanie, évidemment, qui en est la présidente depuis 2005, mais également sa plus jeune fille Camille ou encore les jumeaux d'Albert et Charlène, envoûtés par la magie des lieux. Charlène de Monaco, plus investie que jamais à Monaco, une actualité bien remplie à Monaco, et la famille princière est plus que jamais investie pour faire briller le Rocher alors que s'est achevée l'année du centenaire du prince bâtisseur Rainier III. Charlène continue de jouer son rôle avec énergie, elle qui avait dû prendre ses distances pour raison de santé, une infection de la zone ORL en 2021. Elle accroît toujours plus ses engagements monégasques, le dernier en date est d'être présidente d'honneur du Pink Ribbon Monaco, organisation qui sensibilise dans la lutte contre le cancer du sein. Ce lundi 22 janvier, emmitouflée dans sa doudoune longue noire et au bras d'Albert et non loin de sa nièce Camille, la maman de Jacques et Gabriella, 9 ans, est apparue sereine et investie. La suite après la publicité.